Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier en ce qui concerne Yu-Gi-Oh! Pour deux raisons. La première, c'est que quand on parle Yu-Gi-Oh! On parle principalement d'unboxing, d'ouverture pour découvrir des cartes. C'est très bien parce que ça permet justement d'avoir un petit peu un randomize, enfin un aléatoire pour trouver telle ou telle carte. C'est ce qui rend l'ouverture un peu intéressante. La deuxième, c'est tout ce qui va tourner autour des decks, que ce soit du coup en duel ou que ce soit des decks profile pour vous montrer un petit peu tous les decks qui sont possibles. Enfin bref, l'univers de Yu-Gi-Oh! C'est très vaste et il y a une chose à laquelle on pense pas nécessairement quand on pense à Yu-Gi-Oh! C'est Instagram. Alors pourquoi Instagram? Et pourquoi pas Facebook ou pourquoi pas Twitter? Parce qu'à mes yeux, Instagram c'est un petit peu un album photo en fait dans lequel on mettrait un petit peu les photos de nos vacances, ce genre de choses. Bon, c'est un pas mal dérivé en ce moment parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de drama avec Instagram, on va pas se le cacher. Mais voilà, dans l'optique et dans l'idée, pour moi Instagram ça représente beaucoup plus le côté créatif. Et il y a des choses à faire avec Yu-Gi-Oh! J'ai classé ça en trois grandes familles. Alors, ça à prendre avec des guillemets parce que ces trois grandes familles vont désigner trois grandes choses dans lesquelles je classe telle ou telle personne qui fait du Yu-Gi-Oh! Sur Instagram. Là, je me rends compte que je suis mal assis sur ma chaise. En premier, les créatifs. Par créatif, j'entends les personnes qui arrivent à créer quelque chose. Donc les créatifs, ils créent des choses, mais ils créent des choses originales. Et par original, bien évidemment, on parle de choses qu'on ne voit pas ailleurs ou avec un côté artistique très intéressant. On a ensuite les flexeurs. Et là, ce n'est pas non plus réducteur. On a tout à fait le droit de montrer, de dire « Regardez, j'ai mis telle carte, elle coûte tant ou elle coûte cher. Regardez, pour la rareté, c'est impressionnant. » Donc voilà, par flexeurs, j'entends les personnes qui aiment beaucoup montrer leur collection et qui ont des pépites ou des trucs merveilleux à montrer. Et pour terminer, les originaux, c'est-à-dire qu'eux, on ne peut pas tellement les classer dans une catégorie parce que ce qu'ils font, c'est original. Et par là, j'entends du coup des cosplays ou alors un concept très, très sympa et très original, d'où le principe... Des originaux, ouais, je me rends compte là que... Et le plus intéressant à faire pour commencer, ce serait de commencer par les créatifs, comme ça vous allez pouvoir voir où je veux en venir avec cette vidéo. On commence du coup avec French Yu-Gi-Oh! Qui a un côté artistique, mais magnifique, dans sa mise en scène, dans la façon de montrer les cartes, dans la façon de les dévoiler, avec des fonds spéciaux, avec des thèmes particuliers en fonction de la carte, du type, de l'archétype et compagnie. Bref, c'est un régal pour les yeux. Dans le même style, on a aussi Draco77 qui fait des posts très originaux, qui sont très beaux, qui sont magnifiques aussi. Et c'est pour ça que ça mérite d'être dans le créatif, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté très artistique dans la façon de prendre la photo pour mettre la carte en avant dans un décor très particulier. Et rien que pour ça, ça le mérite du coup d'être dans le créatif et c'est important du coup de s'y intéresser. Là, on a Crozer DHM du coup qui nous fait des magnifiques illustrations de l'univers de Monstres de Yu-Gi-Oh! Revisité façon chibi, façon originale, très coloré, très beau. Là, vous comprenez pourquoi c'est dans le créatif. Il y a un côté qui est créé, il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont c'est dessiné, dont c'est intégré et tout ça, et bref, j'aime vraiment beaucoup. Ah, petite parenthèse avant qu'on continue la vidéo, je sais qu'il y en a qui vont dire « Et moi, t'as pas parlé de moi dans la vidéo et pourquoi je suis pas dedans ?» Parce que... voilà. C'est tout, je peux pas parler de tout le monde. Le principe, c'est pas de parler de toutes les personnes qui font du Yu-Gi-Oh! Sur Instagram, sinon la vidéo serait trop longue. Et aussi, c'est fort probable que je ne te connaisse pas, ou tout simplement que j'ai pas fait gaffe et que je t'ai oublié, ce qui est possible. Il y a certains frérots qui font d'excellent travail que je n'ai pas pu mettre, parce que vous imaginez même pas le nombre de flexeurs qu'il y a. Et attention, c'est pas dénigrant de dire flexeur, on va en parler un petit peu après, mais les flexeurs, c'est quelque chose aussi de très intéressant, ça nous permet de découvrir certaines raretés qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vues, parce que tout simplement, on les a pas eues dans les boosters. Voilà. Ensuite, on a Enko.ygo, soit Yu-Gi-Oh! Enko, Enko, vous dites comme vous voulez, moi j'aime bien dire Enko, voilà. De toute façon, il me corrigera, il me dira, mais non, c'est EN, mais c'est EN, ça fait un, bref. Qui fait des trucs super, super sympas aussi dans le côté créatif, qui met en avant tout ce qui va être floral, doux. J'aime beaucoup en fait le côté doux dans ses photos, dans la façon de mettre en scène les cartes. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a un petit côté créatif dans la recherche de mettre en avant une carte avec un jeu de couleurs au niveau des fleurs, des plantes. Bref, c'est un petit côté créatif sympa. Donc là, c'est assez intéressant à parler de Pierrot Card qui fait, lui, un travail très créatif et très original. Il crée des cartes en 3D. Et c'est pas franchement dégueu, c'est même tout le contraire. C'est magnifique, c'est sublime. On voit très bien la profondeur. On a vraiment l'impression que la carte est en 3D. C'est un travail titanesque et c'est magnifique. Franchement, le rendu est sublime, c'est super beau. Donc voilà, n'hésitez pas, j'en profite en même temps à faire la pub de ces personnes. Donc n'hésitez pas à aller les follow parce que franchement, c'est magnifique. Donc voilà, vous voyez où je veux en venir avec le côté créatif. Mais maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est flexeur. Et par là, du coup, les personnes qui vont mettre des cartes en avant de telle ou d'une telle façon. On commence avec Zenkei Yu-Gi-Oh! Que je connais maintenant assez bien, qui met énormément ses cartes avec la plus grosse rareté, tout comme Yu-Gi France aussi, qui fait à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire le principe d'un flexeur, ça va être de mettre en avant des collections ou autres. Team Koala Yu-Gi-Oh! Pareil, ils font aussi, ils mettent en avant leurs cartes. Mais on a Bataille-Ville par exemple, qui est un flexeur collectionneur, qui va vous montrer un petit peu toutes les raretés, les collections et autres
de l'époque qu'il a réussi à avoir, hein, ou peut-être même qu'il a ouvert récemment, qui sait, peut-être tous un PEL à battre, j'en sais rien. Dans le même style, Yu-Gi-Oh! Card Collector, donc voilà, je m'attarde pas énormément sur les flexeurs, je vous en cite juste quelques-uns que j'aime bien et que je suis, Johan Yu-Gi GX, Yu-Gi-Oh! France France, et bien évidemment Lufou, voilà, ce sont principalement des flexeurs qui mettent en avant leur collection ou leurs cartes. Maintenant on va parler des originaux, et par originaux, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler du coup des gens qui ont un concept, qui font quelque chose qui est original, et on va commencer avec Sam le dueliste diepois. Alors oui, je sais, c'est un ami à moi, mais il fait un concept qui est assez intéressant, c'est le samedi des abonnés, où il demande aux gens d'envoyer leurs cartes, et ensuite, du coup, ça vous permet de vous mettre en avant avec vos cartes. Il a un concept assez original, puisque de mémoire, c'est le seul qui propose quelque chose comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer lui un MP avec vos cartes, et il sera un plaisir de les mettre dans le samedi des abonnés. Dans le même style, on a Sharon, donc Chacha de Shenbox, ou Shenbox, hein, vous l'appelez comme vous voulez, qui, elle, a un concept, enfin, avait un concept, parce que malheureusement, les dernières photos ont été supprimées, mais qui arrive à recréer des cosplays à partir des cartes, et ça se fait très peu, malheureusement, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui font des cosplays de cartes Yu-Gi-Oh! C'est dommage, enfin, des cosplays de cartes, enfin, il est pas déguisé dans une carte, dans un carré, le cosplay du monstre, hein, vous m'avez compris. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage, ça, plus le fait qu'elle crée du coup la Shenbox, n'hésitez pas à en commander d'ailleurs sur www.shenbox.fr. Ce n'est pas sponsorisé, hein, c'est juste moi qui vous conseille. Qui a créé du coup un concept unique et qui parle principalement sur Instagram pour communiquer. Et donc de ce fait là, ça permet de mettre en avant des produits Yu-Gi-Oh! Autres que des cartes, donc des goodies, des créations d'artistes. Et voilà. On a aussi Card Creative du coup qui crée des Field Center et que je vous conseille très fortement, qui m'a d'ailleurs fait mon Field Center préféré. Le magnifique Kuribo, voilà, hein, qu'on m'a offert, mais voilà, c'est magnifique, il fait un travail de fou. Donc pareil, voilà, c'est original, un Field Center. Mais bien sûr que c'est original. Ensuite, on a Yu-Gi-Oosh, alors qui, lui, c'est plus les posts, en fait, qui sont originaux, Instagram. C'est-à-dire qu'il va reprendre le monstre, réussir à le faire ressortir, redonner un effet à la carte. Ça va être un retravail, du coup, de l'artwork. Et ça, c'est sympa. Franchement, c'est assez cool, c'est original. J'ai hésité à le mettre dans le créatif ou dans original, mais je me suis dit, c'est original de faire ça. Autant mettre dans les originales, enfin, originaux, enfin, vous m'avez compris. Et pour terminer dans l'originalité, je me dis qu'en vrai, on a des produits en TCG qui n'existent pas en OCG, comme en OCG qu'on n'a pas en TCG, et vice-versa, vous voyez. Ou il y a des produits en exclusif OCG, comme le Rush Duel et d'autres, qui ne sont pas encore arrivés en France. Et pour ça, il y a la solution, il y a Bridou, on dirait une pub. Pour ça, il y a Bridou, ouais, parce que Bridou, c'est quelqu'un de très gentil, hein. D'ailleurs je vous conseille d'aller le follow lui aussi, comme tous ceux que j'ai cités dans cette vidéo. Bridou.ocg.collection, et bien qui présente des cartes OCG, et je pense que c'est original parce que tout simplement les cartes OCG ça court pas tellement les rues, des cartes chinoises, japonaises et autres, enfin bref, voilà, n'hésitez pas à aller follow Bridou. Il aurait pu être dans Flexeur parce qu'il y a peut-être un côté aussi qui montre ce qu'il a, mais comme c'est de l'OCG, je trouve que c'est original, voyez-vous, vous voyez à peu près la mesure. Donc voilà, c'était une vidéo tout simplement pour montrer que Yu-Gi-Oh! Ça ne concerne pas uniquement des cartes, ça ne concerne pas uniquement des duels, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, il y a un côté créatif, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires en Yu-Gi-Oh! Créer des cadres, oui je l'ai fait, créer des peintures, ça je le ferai pas parce que je sais pas peindre, et tout un tas d'autres choses. Je trouve ça dommage que beaucoup de gens se limitent à juste faire des ouvertures, alors qu'il y a tout un tas de choses à faire avec. Rien que sur Instagram, on trouve tellement de multitudes de créations, c'est dingue, franchement c'est dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup votre Instagram en commentaire, j'irai bien évidemment faire un tour. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, peace.